Hey, yo les bros, c'est Junko00, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes amis. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on fête les 300 abonnés, voilà. Donc vous avez sous les yeux le booster qu'on va ouvrir pour les 300 abonnés. Je vous ai fait voter sur Instagram pour savoir si vous préfériez une petite quantité, voilà. Mais quand même sympathique, de booster récent ou un booster cher ou ancien. Et donc j'ai décidé de vous ouvrir ce booster génération. Donc, excusez-moi. J'ai décidé tout simplement d'ouvrir ce petit booster génération qui est un booster qui est quand même assez rare. Hein. Et surtout assez cher. Hein. On est à plus de 25-30 euros le booster, voilà. Comme tout, ça a explosé. Et je me suis dit, avant que ça vale très cher, je vais quand même m'en ouvrir. Hein, car bon, j'ai comme objectif d'ouvrir à peu près toutes les séries. Et là, donc, on descend donc en 2016, hein, il me semble. 2016 pour ce booster génération. Donc je vous laisse lire. Donc c'est la série pour fêter les 20 ans de Pokémon. Voilà, donc célébrer les 20 ans de Pokémon avec l'extension du JCC Pokémon Génération, regroupant toutes les étapes du parcours d'un dresseur au choix d'un premier partenaire Pokémon au combat avec des cartes Pikachu, machin. Donc, j'ouvre ce booster tout simplement car il me semble que ce n'est pas pesable. Pour la simple bonne raison qu'on a trois cartes intéressantes. Et pour la simple bonne raison que je n'en ai jamais ouvert et que j'aime beaucoup ouvrir les séries .5. Donc on va se lancer tout de suite dans son ouverture. J'espère que ça s'ouvre bien. A priori, ça s'ouvre pas mal. Hop là. Alors, il me semble que la compo c'est ça. Ce sont les trois dernières. Selon donc que je peux regarder cette vidéo, j'aurais pu me renseigner avant. Allez, c'est parti pour ces 300 abonnés. Voilà, je vous remercie énormément par justement une petite ouverture de booster cher et rare. Alors, Krabby, pour commencer, voilà, qui est assez sympa, il est au bord d'une mer, tout c'est un crabe, on n'est pas si étonné que ça. Une énergie, voilà, sublime, je ne connaissais pas ces énergies. Rakaillou, très bien. C'est une très belle série pour l'instant, j'aime beaucoup. Mais là, fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Pokémon de la première génération. À mon avis, c'est que ça. Gloopty, non, ça c'est pas de la première génération. Donc là, on est sur, Radiant Collection, je crois. Ouais. Ensuite, Melodelf. Ok, très cool. Ensuite, en reverse, n'importe quoi, un peu commune, pardon, parce que là on est, non, on avait déjà une peu commune, donc l'EM, très sympa, donc là c'est la reverse, donc revitalisation, très sympa, ensuite on a mis sur une carte spéciale, voilà, de la Radiant Collection, qui ce sera le printemps, est déjà là, alors au revoir. Waouh, Momartic, je l'ai déjà, mais elle est très belle, c'était une de mes cartes préférées, ça me fait vraiment plaisir de vous la tirer. Bon, je vous cache pas qu'il me semble que derrière on a quelque chose, on a une Hex, je crois. Alors je me suis pas trop renseigné, on va voir ce que c'est, mais... Hex de type Psy, très sympa, donc déjà la Momartic, je suis très content. Ok... Ça peut être Ectoplasma peut-être. Et Mystigrix X. Waouh. Très sympa. Donc on a de la chance sur cette petite ouverture. Hein. Bon, pour les 300 abonnés, ça me fait énormément plaisir ce Mystigrix X. Qu'on va mettre sous pochette tout de suite. Ouh bah ça me donne envie d'en racheter. Ça me donne envie d'en racheter parce que je vous ai dit que c'était pas pesable. Hein. Et puis ça tapait un peu. Regardez son état d'abord. C'est pas top. Hein. Énormément de points blancs. Énormément de rayures d'usine. Il y a une grosse rayure d'usine au milieu. Je sais pas si vous la voyez. Mais bon. Ça reste quand même une Hex. Donc, on la prend volontiers. Voilà. Mystigrix Hex. Je crois que j'avais pas de Mystigrix dans ma collection. Et puis Momartic, que j'ai déjà. Mais qui est absolument sublime.
absolument sublime. Et son état est nettement meilleur déjà. Il n'y a pas de rayures. Un petit point blanc en haut et en bas. Enfin, en haut et à gauche et à droite. Mais ça reste très sympa. Hop là. J'aurais bien aimé avoir une carte que j'avais pas quand même. Bon, la river, ça va pas le mettre sous pochette. C'est pas non plus du diamant et perle. Alors, une ouverture diamant et perle en plus, ça arrive bientôt. Vous verrez. Donc voilà. Petit récap superbe. Donc ces deux petites cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre petit j'aime, commenter ou même à vous abonner. Moi, je vous remercie encore une fois pour les 300 abonnés. Road to 400 abonnés. C'était Junko.